Mais oui, Didine, il s'est passé un truc énorme aux MTV Awards. Mais avant d'en parler, petit récap. Alors d'abord, Riri, elle était avec Chris, puis elle l'a viré. Puis elle s'est rapprochée de Drake. Mais ils disaient qu'ils étaient pas ensemble. Mais bon, ils étaient quand même bien collés. Pauvre madame. En fait, Drake, il l'aime trop, sa Riri. Alors il fait tout pour le lui prouver. Au mois de juin, en plein concert de Riri, Drake, il a une trop bonne idée. Il débarque en surprise et lui fait une déclaration. Big up à la plus belle femme que j'ai jamais vue. Mais elle, elle l'envoie paître. Non merci, ça va bien. Alors en août, il lui offre tout simplement un panneau publicitaire. Tadam! Mais là aussi, Riri, elle est pas à fond. Non merci, ça va bien. Et enfin, arrivent les MTV Awards, où Drake doit remettre un prix à Riri. Et là, il clame... Je suis amoureux d'elle depuis mes 22 ans. Et puis après, il a essayé de l'embrasser devant tout le monde. Mais il s'est pris un vent. Non merci, ça va bien. C'est trop dommage. Sauf que, il paraît que le soir même, ils auraient passé la nuit ensemble. C'est fou cette histoire, on a hâte du prochain épisode. Non merci, ça va bien.